avec mes frères, c'était voué à s'arrêter, quoi, comme une bougie qui va s'éteindre. Finalement, c'est l'illustration parfaite de ce qu'on disait. C'est vraiment la transmission de que toi, tu puisses compter sur l'expérience de ton père dans ce genre de moment un peu intense. On se sent soutenu. Ouais. Nous, la jeune génération qui arrive derrière, on sait qu'on ira. C'est pour ça que j'ai décidé de rester 2-3 ans avec eux jusqu'à 2024. Je prendrai la retraite. Avec mes frères, c'était voué à s'arrêter, quoi, comme une bougie qui va s'éteindre. Qui était un peu compliqué pour moi dans ma tête parce qu'on avait toujours vécu ça. De père en fils, voilà. Puis d'un seul coup, plus rien, qu'on vende tout, ça me traumatisait un peu quand même malgré tout. Et quand Claire a dit, bah, mais, de toute façon, le train va passer, et si tu montes dans un wagon, on y va, et puis voilà. Quoi. Et quand Michel, mon frère, est parti à la retraite, c'est ce qu'elle a fait. L'histoire de famille continue. Ouais. Et voilà.